Ça fait des années qu'on alerte sur la rue du Corbillon. Il y a déjà eu des tirs sur une école. Les parents d'élèves se mobilisent. Il y a deux écoles dans cette rue quand même, une maternelle et une école primaire. Il y a plein de parents qui sont mobilisés. Le maire, il bouge pas, quoi. On a fait des manifestations dans cette rue. On a fait... Nous, habitants, on a essayé de se mobiliser. Maintenant, derrière, ça ne suit pas au niveau municipal. Donc voilà ce qu'on gagne à avoir une mairie qui ne bouge pas, quoi. On est dans le quartier de la gare, et donc il y a un quartier qui est supposé être en zone de sécurité prioritaire. Après, la zone de sécurité prioritaire, elle a marché pendant quelques temps jusqu'aux événements de Charlie Hebdo. Et puis après, ça s'est tari, on n'avait plus de carte de CRS en faction. Nous, on est dans un quartier où il y a beaucoup, beaucoup de trafic de drogue. Et malheureusement, c'est le préfet qui pilote la ZSP. Je pense qu'on a un préfet qui est en dessous de tout, quoi. Après, genre d'aujourd'hui, Saint-Denis, c'est à l'échaude. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle est chaude, Saint-Denis, c'est depuis longtemps. Parce que c'est quoi qui a amené la mer? C'était le crack à l'époque à la gare. Nous, on vendait, il n'y avait pas de crack ici à Saint-Denis. Il y avait du trafic, c'est vrai qu'il y avait des coins, ils vendaient de l'héro à l'époque, dans les années 90. Après, la tendance, c'était le shit comme un peu partout, mais le crack, c'est là, c'est dans les années 2000, 2005, 2006, 2007, que ça arrive à la gare. Bah, ça a amené. Ça a amené une insécurité à Saint-Denis. C'est vrai qu'il y avait des gens, des crackers, on appelle ça, des consommateurs de crack qui venaient un peu de partout. Et il y avait du vol tous les jours à cause d'eux. Sinon, avant, on n'avait pas tout ça à Saint-Denis. La sécurité, elle était là pendant un moment à la gare de Saint-Denis, du crack tous les jours. Et comme je vous ai raconté, 2007-2008, c'est pas moi, si vous enregistrez dans les archives que vous avez trouvé, il y a eu 25 morts.